59 sur 1, deuxième. Bonsoir. Je sais que vous êtes venu pour Chant de son, mais ce soir, j'ai choisi de vous présenter autre chose. J'ai choisi de vous présenter quelqu'un qui est un autre genre de grand-père spirituel pour moi, un autre genre de Wintaka. Et j'aimerais partager les mots de ce nouveau GPS avec vous, non seulement parce que ce sont des mots qui m'ont nourri, qui m'ont construit, mais parce que je pense très profondément que ces mots sont une des plus belles déclarations d'amour à l'humanité, une des plus magnifiques déclarations de soif de liberté, d'égalité et de fraternité. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné deux siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial. Que, déférée à la barre de la raison comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confient tout bas les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. Et aujourd'hui, il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui incriminent, mais que l'acte d'accusation est proféré sur le plan mondial par des dizaines et des dizaines de millions d'hommes qui, du fond de l'esclavage, s'érigent en juges. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent. Donc que leurs maîtres sont faibles. Et puisqu'aujourd'hui, il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres, colonisation et civilisation. La malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce en son principe que la colonisation ? De convenir de ce qu'elle n'est point. Ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit, d'admettre une bonne fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force avec, derrière, l'ombre portée, maléfique, d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligé de façon interne d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ces économies antagonistes. Poursuivant mon analyse, je trouve que l'hypocrisie est de date récente, que ni Cortés découvrant Mexico du haut du grand Teocalli, ni Pizarro devant Cusco, encore moins Marco Polo devant Cambaluc, ne protestent d'être les fourriers d'un ordre supérieur.
qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils ont des casques, des lances, des cupidités, que les baveurs sont venus plus tard, que le grand responsable dans ce domaine est le pédantisme chrétien pour avoir posé les équations malhonnêtes, christianisme égale civilisation, paganisme égale sauvagerie, d'où ne pouvaient que s'en suivre d'abominables conséquences colonialistes et racistes dont les victimes devaient être les Indiens, les Jaunes et les Nègres. C'est réglé. J'admets que les civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien. Que marier des mondes différents est excellent. Qu'une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s'étiole, que l'échange est ici l'oxygène et que la grande chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour et que d'avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments en a fait le meilleur redistributeur d'énergie. Mais alors, je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact? Ou, si l'on préfère, de toutes les manières d'établir contact, était-elle la meilleure? Je réponds non. Et je dis que, de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort. Une agression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit « comme c'est curieux, mais bah, c'est le nazisme, ça passera ». Et on entend, et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême. Celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir. On l'a légitimé, parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé. On en est responsable et qu'il s'ouvre, qu'il perce, qu'il goûte avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore. Qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique. Et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme. Ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme. D'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait, sordidement raciste. J'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite. Il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste, à son stade actuel, est incapable de fonder un droit des gens, comme elle s'avère impuissante à fonder une morale individuelle. Qu'on le veuille ou non, au bout du cul-de-sac, Europe, je veux dire l'Europe d'Adenauer,
de Schumann, Bidault et quelques autres, il y a Hitler. Au bout du capitalisme désireux de se survivre, il y a Hitler. Au bout de l'humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler.